Jovenel Moïse. Très spécial. Donc, en thème de symbole de catastrophe, en thème de symbole de banalité, donc véritable expression de malheur politique qui revient au pays. Aujourd'hui, c'est de ça m'a parlé. Aujourd'hui, c'est pire que 2004. Ah, mon cher. Ça que t'es gagné en 2004. Il n'y avait rien. Non, Bakadou, il n'y avait rien. Même Vledo, que ça que t'es gagné en 2004. Là, c'est pas semblable du tout. C'est incomparable. Non, c'est incomparable. C'est incomparable. Totalement incomparable à ce qu'il y a aujourd'hui. Et vous avez mobilisé toutes ces ressources en 2004. Et c'était le même discours qu'Aristide était un dictateur, un apprenti dictateur, c'était le mal absolu. Je me souviens encore de ces mots. Non, c'est pas vrai. Et vous aviez fait en face de lui la convergence démocratique. L'Emdou, peut-être pas... une plus grosse structure de l'opposition que nous n'avions fait. Attendez. Wendou, c'est pas vrai. Oui. Vous connaissez un grand pile respect pour vous. Je vais le voyer jeter et conseiller une thèse. Oui, mais. Mais, Mabdou, encore pas de comparaison du tout. Entre ça qui a passé jeudi à là en Haïti et ça et qui t'est passé, qui t'a passé dans le pays en 2003 et en 2004. Est-ce que vous voulez établir la différence pour nous? La différence est claire. Oui, on avait reproché au pouvoir en place en 2003 et à la veille de 2004 d'une mauvaise gestion politique et surtout qui était dominée par la partisanerie. C'était tout ça le problème d'Aristide. Premièrement, c'était un entêtement pour capable et gagner un pouvoir à 100%. Le problème d'Aristide, c'est ça. Avec une élection volée le 21 mai 2000, élection législative. Côté Aristide, il a toute popularité. Donc, lui-même, pour le Tévin, bien élu et dans l'élection 2000, mais depuis dans l'élection 21-2000. Yo gâché et vie politique pays a avec yon ambition faut que la valas gagne tout pouvoir à 100%. Alors que yote ka gagne li et à 60%, à 65% et que opposition te capable gagne à 40% ou bien 35%, etc. Nan goumè pour le gagne tout pouvoir, Aristide vin hypothéquer avenir li. Donc, comme nèg qui pourrait devenir président illégitime dans l'élection Fomamite, 28 novembre 2000. D'accord? Aristide mettait Goumen, il a gagné un parlement contesté, 47e législature. Il est contesté parce que et toute partie politique a eu raison pour contester la 47e législature. Puisque un ensemble de députés et de sénateurs qui ont gagné là-dedans, c'était. Qui partait lui vrai. D'accord? Aristide même, pral, et avec Préval, il pral ranger Koyo pour faire un conseil électoral partisan qui pour fond radote élection pour Aristide et 28 novembre 2000, qui pral venir faire Aristide rentrer comme un président perpétuel, un président illégitime, donc que personne et au niveau de l'opposition pas accepté alors que il était une possibilité pour être bien élu dans une bonne élection. La crise a commencé. Donc la crise d'alors, c'était une crise véritable crise politique. Mais la crise qu'on a aujourd'hui, c'est pas seulement une crise politique. Et Nations Unies, Conseil de sécurité Nations Unies, hein, il fait souligner le pour hier avec une position. Conseil de sécurité Nations Unies souligné pour gouvernement haïtien, un, que l'ICE seul responsable de ensemble de crises qui gagne là, je veux dire, qui est à la fois son crise politique, une crise constitutionnelle, une crise humanitaire, puisque vous gagnez plus de 5 millions d'haïtiens qui frappent d'insécurité alimentaire, et non contexte côté international là a fait pression pour nous faire élection qui était doué fait bon nous même au niveau de l'OPL nous noter pour pouvoir et pour l'international là c'est pas une question de élection législative élection présidentielle seulement qui était gagné pour être fait déjà qui pas fait c'est au moins 7 élections qui était gagné pour être fait dans le pays déjà qui pas réalisé suivant constitution haïtienne non y a un pouvoir qui soutient dans l'élection qui a géré lui ou gagner avant 5 ans pour réaliser au moins 7 élections dans le pays. Faut renouveler, faut faire élection pour renouveler chambre de député sous 4e année. C'est pas vrai? Faut faire élection pour renouveler 2/3 Sénat
on prend dans l'espace de 5 ans, c'est 2 tiers Sénat qui pour renouveler. Faut ou faire élection pour renouveler collectivité territoriale qui est là dans l'île, maire, Kazek, Azek, Délégué-Ville. Voilà autant d'élections que Jovenel Moïse te gagne pour te réaliser, il va réaliser en Haïti. Mais Nations Unies, fait le rappel là, il dit bon, depuis 2019, élection te doit réaliser, mais élection pas faite. Mais nous, nous comptons dossier à les Nations Unies. Ça c'est clair. Même là, c'est semblant de faire pour ne pas songer ensemble d'élections. Parce que vous êtes toujours là, vous connaissez très bien, mais nous maîtrisons la question ça. Passé, yo, nous fait songer. En termes de différence, nous avons dit, je dis, problème haïtien, ce n'est pas une question de crise politique qui mettait un pouvoir, une opposition en face à un pouvoir. Li yon question de yon pouvoir qui censé lui-même prend sous doli responsabilité pour lui détruire tout yon pays et à tous les niveaux pour lui détruire pays sur le plan économique tout d'abord li choisi pour pays a pas bien gouverné du tout donc ça veut dire moun ki pour premier ministre qui pour dit qui pour la tête et gouvernance là li choisi que c'est deux moun qui pour pas gagner aucune compétence qui pas gagner aucun rapport avec connaissance politique et qui pas doit fonctionner tout dans la légalité que n'al prend exemple Jacques Lafontaine qui était premier ministre et Jovenel Moïse que ou vini sous Jean-Henri Séan dans façon que il était nommé, il était monté, que Wal prend tout l'autre yo, Jean-Michel Lapin, et pour venir, bon, non, Joseph Jout, ça c'est dernier catastrophe là, alors que ou gagne yon pays qui est inscrit dans un cadre démocratique, constitution le dit clairement, que Haïti doit fonctionner avec trois pouvoirs qui en fonction. Pouvoir législatif là, il n'est pas capable, lui-même a fonctionné, il n'est pas capable d'exister, il n'est pas capable. Et fait exercice li sans pas gagner un pouvoir un pouvoir législatif li même qui a légiféré pour lui et qui a contrôlé. Donc voilà que monsieur Ali même li choisi, il fait toute sale capable pour pas gagner un gouvernement qui émanait du parlement tant pour constitution li même li voulait ça et pour gagner un gouvernement li même qui a pu gouverner en fonction de ça la constitution dit. C'est pas même pareil. À tel point je dis si on parle de pouvoir, moi si on parle de pouvoir, je dis à m'a demandé au nom de qui pouvoir. Pouvoir exécutif là, je dis pas dire mon pouvoir exécutif. Non pas mon pouvoir exécutif là. D'ailleurs, pour ta dire mon pouvoir exécutif, m'a prendre un exemple ba. Ça qui s'est passé dernièrement. Pour dire moi est-ce que mon pouvoir exécutif, ça qui arrivé mon pouvoir exécutif. Dans pays démocratique. Côté par exemple, où gagne un premier ministre. Moi, je dois mettre de facto devant son nom. Joseph Jout. De facto qu'il soit, il a pris une décision maladroite, qu'elle soit, illégale qu'elle soit, de faire déteinter les voitures. Pas vrai? Dans un contexte, côté kidnapping a ravagé le pays. Pas vrai? Population à bout de souffle, tout le monde a relé en moué, classe moyenne fin crasé, parce que yo tellement kidnappé moun yo, yo tellement harcelé moun yo, donc pou yo capable de payer rançon et tellement gen moun tout qui mouri dans kidnapping. Monsieur prend décision, ok, avec un communiqué pour détenter vite marché. Dans moins de 48 heures, secrétaire général de la primature, sorti font scandale avec question pour montrer que premier ministre dans malage et le ministre de la justice pays non que tout le monde conscient son ministre de la justice monsieur pas honte li pas crainte monsieur fait conférence de presse pour lui voyer jeter pour le camper en face décision premier ministre.
Alors, c'est dans le contexte ça, on va parler de pouvoir exécutif. Est-ce que ça, c'est un pouvoir exécutif? Il y a des dérives ou bien il n'y a pas de pouvoir exécutif? Bon, pas même besoin d'aller plus loin. Avant, pour me dire que pouvoir exécutif, constitution haïtienne n'en prévoit, il n'y a pas qu'à gagner dans la tête, il y a un président mandat fini et puis qui est au pouvoir toujours, qui est accroché au pouvoir. Pas même besoin d'aller plus loin avec vous. Pour me dire que pouvoir exécutif, constitution haïtienne n'en prévoit, li pa konnen zafè pou yon premier ministre antre an sèn, c'est seulement son président ki pou nomèl, ki pou publye yon arrêté présidentiel et puis li mete monsieur premier ministre et puis monsieur rentre nan primature la CG. Pa même besoin d'entrer là. Mais vous avez un président aussi. Est-ce que la constitution a prévoit? On va parler de président mécène. Oui. C'est à votre président, non? Le président du peuple haïtien. Okay. 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 Oui, le président du peuple haïtien. On parle. On parle. Ah oui? C'est lui qui offre le pays à un président de transition qui est le mécène Jean-Louis. Parce que quand le président Jovenel Moïse, en tant que garant de la bonne marche des institutions, il était une responsabilité pour appliquer la constitution et pour réaliser toute élection constitution prévoit qu'il pouvait réaliser à temps. Je me rappelle que en 2020, il devait gagner l'élection présidentielle en Haïti. D'accord? Tu dois gagner l'élection présidentielle en Haïti pour te gagner un président qui est élu pour remplacer Jovenel Moïse le 7 février 2021. D'après l'opposition. C'est pas d'après l'opposition, c'est d'après la Constitution en son article 134-2 et d'après la loi de règlement de la Constitution qui est le décret électoral du 2 mars 2015 en son article 239 qui expliquait mandat président comment lié. Maintenant, une fois président lui-même n'est pas réalisé aucune élection, donc mandat président fini, il revient au peuple haïtien. OK, il revient au peuple, au secteur organisé de la vie nationale, d'élire de la société civile de décider que faire avec le choisir le président. Exactement, c'est dans même ce cas. Même faire en 2000. C'est dans ce cas. Même c'est dans ce en 2000 nous avons un bel petit président. C'est dans ce cas. Hein? Suite à la signature d'un accord le 30 janvier 2021, donc une entente a été trouvée entre les forces de l'opposition et les secteurs, la société civile organisée, donc pour désigner quelqu'un pour présider la transition. Voilà. Et ce président est légitime, lui. Légitimé par le peuple. Ah, ok. Par le peuple à travers ses organisations, à travers ses entités politiques de l'opposition. Qu'est-ce qui fait que le président ça va jamais installer pour pouvoir fonctionner? La force des choses. La force des choses. Parce que Jovenel. Pourquoi nous pas renverser où? Nous pas aussi brutal que Jovenel. Ah bon. Pas aussi brutal. Donc. Et laisser la politique faire son cours. Ok. Donc, mais nous venons un bon an en 2000. Jovenel arrivé quand même, réalisons coup d'État sous constitution et sous société. Il est passé 7 février 2021, là toujours. Et bien, c'est ça qui fait que le président a appelé à diriger la transition. Donc, lui-même, il n'est pas compris en fonction. Il a l'aptan. Et c'est un président légitime. Légitime en ce sens. En ce sens que pas gagner l'autre chemin. OK? Pas gagner l'autre route. Tant qu'on dit. Pas gagner route par bois. Quand les élections qui devraient avoir lieu n'ont pas eu lieu. OK? Personne n'a été élu pour remplacer quelqu'un qui a détenu le pouvoir pendant le temps de son mandat. Eh bien, donc, il reste. La possibilité à une transition. C'est ça, oui. Bon, nous connaissons nos capacités. C'est ça, il n'y a pas l'autre bagaille, Marco. Oui, nous connaissons. Transition, transition, nous, au niveau de l'OPL, c'est pas vrai, nous trouvons. D'ailleurs, nous sommes un parti politique
Donc c'est dans la compétition électorale non quoi. C'est là pour nous passer pour nous prendre pouvoir. Oui. D'ailleurs dans la transition, est-ce que c'est nous qui prenons pouvoir? Non, c'est pas nous qui prenons pouvoir dans la transition. Qui gros intérêt nous gagne dans la transition? C'est dans l'élection nous gagne intérêt. Oui. Oui, même dit que Jovenel Moïse avec PHTK, il a pas quitté aucune autre possibilité pour nous que son transition qui pourrait être payée. Hein. Et c'est ça qu'on le fait. Donc que le retard que gagne tergiversation politique, que gagne acrobatie et que ce soit national, international sous ça, mais pas gagne autre parbois. C'est une transition. Et c'est Mécène qui est président. Non, c'est ça, c'est pas moi qui parle. Il a déjà choisi. Seulement ça, c'est pas moi qui parle. Non, mais monsieur le président. Non, il a déjà choisi. Écoutez, il n'est pas encore installé. Il y a une crise pluridimensionnelle dont nous sommes à la recherche de la solution. Le 7 février 2021, donc, il a fallu la désignation de quelqu'un et de très éclairé. Pour présider la transition. Donc, six conditions t'es réunies pour transition t'es commencé. La société civile organisée et l'opposition donc a jeté le dévolu sur Maître Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien de la Cour de cassation. Mais je dis, crise là a peut continuer. Donc, à notre avis, gagner beaucoup d'autres démarches. Beaucoup d'autres approches qui sont capables de déboucher sous une solution qui est capable beaucoup plus efficace avec ou sans Mécène Jean-Louis. Ou pas la Mécène? Les bases. Pas dans le président. Les bases en même, non? Mais bon, nous mettez elle. Et pas nous mettre elle, non? Pas obligé par la velle. Non, moi, je ne pas la velle. Ou pas la velle du tout? Pas non, pas la velle? Non, pas la velle. Ah bon, femme d'amant dans l'autre monde, parce que je est-ce qu'elle est lucide? Est-ce qu'elle l'a pas lavé? Non, si c'est pour lucidité ou, si c'est pour lucidité ou, ça me carré. Lucidité, elle me répond. Non, je ne vais pas laver. Non, je ne vais pas obliger pas laver. Oh, mais je ne vais pas obliger pas laver parce que j'ai tous les comptes rendus. Ok, faux. Des discussions, des discussions majeures. Ok. Entretenu avec Maître le président. C'est quelqu'un de très lucide. Bon, posez question ça en fait, et puis vous mettez dans l'activité, parce que vous dites que c'est pour surtout activité à COVID. Voilà. Est-ce que le cabinet, cabinet est encore formé, et si c'est le cas en fait, ou t'as qu'à bailler quelques. Ma population, certainement. Bon, on ouais, on se coupe. Non, mal placé pour répondre aux questions comme ça. Ok. Non. Bah, mettre Mécène pas pour moi. Donc le président désigné donc n'appartient ni à OPL ni à Daniel Syriac, mais appartient à la société. Donc seul bagage que je suis capable de dire c'est que mise en application et accord 30 janvier 2021 et qui baille mettre Mécène comme président désigné pour la transition. Donc accord là, il faut qu'on en application vraiment. D'accord. Bon, voilà. Vous êtes venu là pour OPL. Qui ça OPL qui est dans l'agenda là donc pour moi, c'est bien précis en fait. Merci. C'est que nous sommes à la veille de la célébration de la 34e anniversaire de la Constitution de 1987. C'est le 29 mars. Et déjà, les Parisiens mobilisés et avec ensemble des forces politiques de l'opposition et de la société civile comptait prendre la rue massivement. Donc depuis le 28 dans le cadre de célébration constitution et puis on dit non à la dictature. Puis on dit non avec question de pouvoir autoritaire en Haïti, avec question de nèg qui pas gagne un mandat, baï tête li pouvoir pour le kembe pouvoir. Donc pour dit non à toute bagaille. Donc OPL la prend devant de manière beaucoup plus classique. Demain vendredi 26 l'an, et OPL a organisé une journée débat conférence débat exposition de photos et projection de films sous dictature François Duvalier.
disons la dictature des Duvalier, parce qu'il n'y a pas que François Duvalier et son fils Jean-Claude, qui paraît beaucoup plus dictateur que son père. C'est un devoir de mémoire que OPL a fait, et c'est vrai, on n'a pas gagné la dimension de Gérard Pierre Charles, donc comme premier fondateur de l'OPL, s'il était là, l'étape râlée, l'évlian, donc radiographie d'une dictature, à la lumière de la radiographie d'une dictature, Gérard, l'étape montrée, et combien bagaille dictature lui-même les fait sur le monde, combien bagaille les fait sur une société, premièrement, les déshumaniser mounio, c'est-à-dire dictature, les retirer, les réduire, les non seulement chercher à timoniser ou l'elfine timoniser ou les bestialiser. Est-ce que tel est le cas dans ce contexte? N'a vu une dictature ici. Ou arrivez vite. Ou arrivez vite et non, voilà, alors, un élément. Non, d'accord, oui. L'homme de cette question, tel est le cas. Déshumanisation. Et même en vivant des exemples. Et parce que, alors, on compte pour qui ça pose des questions. Parce que justement, il y a deux problèmes que nous avons. Si en fait, et réponse, nous parlons des réflexions sur, qui plus profondes pour garder l'origine, pour garder les racines. En fait, nous risquons de tourner en rond. Par exemple, le processus de déshumanisation qu'on va parler là. Bon, est-ce que réellement c'est dans ce contexte-là que, le processus de déshumanisation a commencé? Est-ce que si on va chercher l'origine, nous va pas de monter plus haut? Donc, ça veut dire que c'est justement ça. Non, nous allons aller plus loin. Écoutez, peut-être moins aller un peu plus vite que vous-même. Ah, ok. Les mouvements dans déshumanisation. Parce que yon dictature, c'est d'abord yon ensemble de mise en place qui menon là-dedans. François Duvalier, pour te faire dictature là, en 1957, Haïti pat nan dictature. Nous yon batte là, non? Mais si nan dans l'histoire, et tout grand-parent Abdinoto, en 1957, donc François Duvalier entre prend tête pays à comme yon président qui bienvenu. Et très populaire, moun yon accepté. Mais c'est au fur et à mesure que la paix posait des pions, la paix fait des mises en place, et puis à partir de 63, 64, et puis, les croisés pieds sous pays. D'accord? Jusqu'à ce que yon bonjour, nous pas qu'à dire tout bagaille, jusqu'à ce que yon bonjour, François Duvalier, à côté de tout gros acte criminel que le commet dans tête pays, mais il prend 19 officiers de l'armée d'Haïti, mené au Fort Dimanche, et puis le fusil. Et il assure que la fin fusil va gagner qu'à privé. Et ces officiers de l'armée à l'époque, qui est sûr, c'est des petites peuples là. Donc ça veut dire des éléments de la classe moyenne, qui soutenent nos familles, qui étudient l'école, qui entrent à l'académie. Ok? Qui prend formation militaire pour capable servir la patrie. Et puis, président un bon matin, il estime que 19 officiers AEO ont représenté pour lui des éléments dangereux. Donc, il n'y a pas d'où ils vivent. Il n'y a qu'à prendre pouvoir dans la main. Et puis, il prend la fusée Fort Dimanche. Mais, tout à l'heure, tu as posé une question pour nous arriver rapide. Où est-ce que je dis là? On prend par exemple. On prend Jovenel Moïse. Gen moun ki ap di ke se moun nan opposition ki ap akuse président, ki ap di président dictateur, bagay patati patata. Mes amis, an nou antann nou. Yon nom bay tèt li dwa et li pran constitution peyi a ki di ke tout changement ki pou fèt la dani c'est à partir d'une proposition ki pou fèt au parlement. Changement lui-même et qui pour discuter avec les représentants nés du peuple, parce que vous savez que la démocratie haïtienne c'est une démocratie représentative et avec des parlementaires, députés et sénateurs, ok, de la République et du peuple. Monsieur Choisy, ça va garder malgré constitution dit dans l'article 283 et tout. Bon, question référendum non même
C'est comme si la constitution était qu'on est. Alors, je ne voulais pas parler des constituants, mm-hmm, législateurs là. Mm-hmm. L'idée qu'on est, à un moment de la durée, un élément un peu despotique, ok, avec un sentiment despotique, qui t'a pral émerger, qui t'a pral vle enfragir l'île. Constitution te getan dit, question référendum non, ça c'est dit net. Mm-hmm. Personne ne doit décider ça. Monsieur décide non seulement que l'a fait référendum non, mais tant qu'il souple l'a fait avec 5 monde. A fait garder les 12 millions d'habitants d'Haïti. Avec 5 monde? Comment? Qui 5 monde? Ou pas au courant, c'est 5 monde Jovenel Moïse te choisi que l'y nommé et pas arrêté présidentiel comme commission qui pour aller travailler pour capable. Bon, mon ça dit pour réfléchir sur lui. Pour réfléchir sur lui. Ça que il va arrêter 12 millions là dedans. Ça que il réfléchir. Ça que réfléchir, il réfléchir et même là encore. Même là encore réflexion ça qui est-ce qui baille droit. Parce que on parle du président de la République. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est lié, qui est lié par la Constitution. Et la Constitution haïtienne en son article 150, il dit clairement le président n'a pas d'autres prérogatives que sa constitution, d'autres attributions que sa constitution lui-même lui parle. Et constitution dit clairement, mais comment pour bagarre la fête, il va faire l'autre gens. Mais m'konnen moi dans feuille de route opposition te mette dehors et dans avant 7 février, yo te mette tout y a faire réforme constitutionnelle. Oui, mais pas fait ça Marco. Ou pas mais pas fait ça et poser une question. Non, d'accord, ben moi répondre. Non mais oui, réponds-moi mais pas dit pas fait ça. Je suis d'accord. Poser une question. Pas gain aucune opposition qui mettait dans aucune feuille de route provision, yon quelconque provision pour lui-même l'état changer constitution pourquoi? Il a fait réforme oui. Non. Et opposition, hein? D'accord. La question de réforme constitutionnelle. Je ne sais pas si en Haïti, non, qui pas d'accord pour nous gagner une réforme constitutionnelle. Non, mais procédure là-bas. Ça veut dire pour pas gagner une modification qui peut être dans la constitution. Procédure là-bas. Parce qu'on va parler de procédure. Mais la procédure, mais avant, oui. Oui. Ça veut dire que c'est parlement, constitution tracée pour qui fait réforme. D'accord. Bien amender constitution et il dit qu'il est pour le faire. Ou je dis ça là pour le président. D'accord. On comprend ni d'accord avec vous. Mais qu'on est amdou que n'a fait de route pas opposition en tout, il dit la faire réforme. Si le président va pas faire qui ça fait opposition en tout, mais quoi de mieux par exemple? Quoi de mieux? Et si il y a un cas de force majeure, tel est le cas aujourd'hui, parce que nous avons un parlement vrai qui est en fonction. Il va vrai, parlement que tu as dû faire, il n'est pas là. Mais ce n'est pas un parlement qui peut faire. Ou pas estimer que. Au moins, c'est nous accord pour le souci qui dégage de la société. Vous avez l'accord? Est-ce que vous avez l'accord? Vous êtes au courant que nous avons un accord signé le 30 janvier. Bien entendu, ou gain droit. Ou gain droit, par exemple, comme journaliste, pour t'a dit nous accord, ça insuffisant. Sous dit accord insuffisant, m'babou ma volon. Sous dit que. Accord 30 janvier, il n'est pas suffisamment mais entre qui, inclusif. Entre ah, qui pas coup, pas fait. Mais Fomando, si son accord, t'es bien venu en accord, c'est sous des mouns qui ont des accords, et pas vrai? Si il y a des accords à faire entre mouns qui sont au pouvoir avec mouns qui sont en opposition, et pas ça? Qu'on a si grand accord nous non, pas forcément. Entre qui et pas qui? Pas forcément avec mouns qui sont au pouvoir. Parce que écoutez. Non, mais avec qui est-ce des accords? Non, mais dis pas forcément avec mouns qui sont au pouvoir. Parce que, fin que saute débat ensemble avec vous là, la question de pouvoir, pour parler là même, même pas même reconnaître le pouvoir. Parce que pour gagner pouvoir, il y a un minimum de cohésion, un minimum de cohérence, un minimum de responsabilité qui peut afficher. Donc ça veut dire, et si tu as un pouvoir même, ou pas tap même ou que, c'est un ensemble de monde qui est en opposition, qui a le chita entre eux pour y ouvrir encore. Vous le dites, il y a vide là. En vérité, c'est parce que c'est parce que pas un pouvoir qui fait que, bon, si tu as un pouvoir, au moins faut que tu aies un monde pour te bailler le ton. Si tu as une crise. Et pas vrai? Si vous dites que le président a une crise, le président a dégagé qu'on mette Jean-Jacques. Et ouais, qu'on mette Jean-Jacques là, je vais dire innocemment, non? Parce que c'est une théorie que Jean-Jacques Dessalines nous a laissé. Ou bien que les historiens nous ont laissé. Vous comprenez? Ça veut dire chaque fois qu'il y a un problème, pour nous référer à ça, pour aller chercher une solution au problème. Si tu es un président, mon cher, ou tu mets gagner 10 000 opposants, récalcitrant. Même mettez récalcitrant. Eh bien, président,
fait tout ça le capable, oui. Pour le chita ensemble avec opposant yo, avec tout secteur dans la vie nationale là, pour le joindre un accord sur problème non, et puis pour nous dégager solution. Mm. Mais c'est parce que pas gain pouvoir, c'est parce que pas gain président, parce que ça gagne dans tête l'État. Donc c'est des bandits. C'est des bandits qui baillent tête yo yon droit, c'est comme si pays a c'est pour yo lié uniquement, yo pas tenu compte de personne d'autre. C'est ça qui fait que ou capable c'est deux monde qui dans opposition qui capable trouver dans situation, c'est yo qui met tête yo ensemble, qui chita, qui discuter entre yo, qui réfléchit entre yo pour capable signer un accord. Mais pas dit m'pa gagne accord. Pas dit m'pa gagne accord parce que accord 30 janvier m'a râlé sur vous 50 fois pour me dire c'est un accord. OK. Et c'est un accord très inclusif. OK. M'a fin dire très inclusif. Sou di m'li pas suffisamment inclusif, m'ap d'akwa avon. Ah, ok, ok. Bon, m'ap diyan soli. Ou ka di sa ou m'li d'akwa. Ok. Mais, bon, m'ando non. Ouais. Et, ou di président ki la? Ah, nou te introduit du sujet de meilleur pour moi. M'pou kon fin présenté? Ou kon fin présenté, oui. M'ap fini. D'accord. Ou di président ki la son dictateur? Il n'a pas de dictateur ak menen la. Président ki la son dictateur. Et, ou di moun ki sou pouvoir la yo se bandi? Mais t'as l'air à tout saut parler de Conseil Sécurité Nations Unies. On connaît moi chaque les bons pays qui gagnent un dictateur. Vous entendez là? Ou bien qui gagnent un bandit dans tête li. On trouve Conseil Sécurité Nations Unies, hein? OEA, Yoshita, yo réuni et yo dit au pape catholique ça. Vous comprenez? Yo pape catholique un dictateur et yo gagnent des mesures que yo prend à l'encontre de Mounza qui a dirigé dans le pays. Ah bon? Qui ça que fait ou pas prendre mesure ça ou contre Jovenel Moïse pendant nous dit vous voulez entrer avec moi dans la complexité des relations internationales. Non, pas un problème. Pas un problème n'a vienne là. Maintenant, pour statut de Jovenel Moïse comme dictateur. Oui. Jovenel Moïse c'est pas seulement un dictateur et c'est pas un simple dictateur. C'est pas un simple dictateur. Parce que ouais nous souhaitons parler de nous souhaitons faire le procès de François Duvalier par exemple. François Duvalier, les pour lui établi dictature lien, il y a un minimum de règles de science que il était respecté quand même. Moi presque sûr. Si François Duvalier t'a réveillé jodi à là, il t'a gain chance pour t'a faire une dictature encore, il pas recourir aux méthodes de Jovenel Moïse qui utilisait kidnapping comme outil politique pour gagner le pouvoir. Il n'y a pas à recourir aux méthodes de Jovenel Moïse qui rentrait dans rassembler des gangs que le fédéré pour le faire force pour capable Kembel au pouvoir au lieu que les renforcer les institutions républicaines au lieu que les travaille pour le renforcer la police nationale. Ou bien les renforcer ça gagner dit qui l'armée bien que nous mêmes nous voyons reconnaître lui. Mais n'importe qui est au pouvoir, depuis qu'il était capable de renforcer, saluer les institutions, l'armée, depuis qu'il était capable de garder l'armée, il a fait service. Mais nous n'avons pas le choix que accepter lui. OK? Au lieu que lui assurer comme chef d'État que la justice a fonctionné, lui préférer normalement encadrer des chefs de gang. Mettez des chefs de gang en puissance sur la police nationale jusqu'à ce que, par exemple, drame 12 mars là. Jusqu'à présent, monsieur, je connais que le fait nous mal, c'est mon nom, c'est Haïtien nous. Les nous gardent pour nous, ouais, comment, au état-major, police nationale là, avec pouvoir de facto, prenons ensemble d'éléments d'élite de la police nationale. Voyez-vous sacrifier, à le sacrifier dans le village de Dieu, Jean fait là. Mkwè ça fait nous tout mal, hein? Et m'bon garanti. Les éléments d'élite de la police nationale, yon gen assez de capacité pour mener une opération. Chargez moun nan police là, oui. Qui gagne formation appropriée pour yon connaître comment pour yon rapprocher en question de gang. Avec des seconde volonté politique pour détruire gang vrai. Pour mener une opération vraiment. Mais c'est pas ça que vous avez gagné pour vous faire le 12 mars là. C'est pas ça que tu es dans le plan pour voir là. C'est pas ça que tu es dans le plan et au commandement la police là aussi. D'ailleurs, nous avons gagné une information. Et
pendant plus de 3 à 4 heures. Policiers qui étaient dans le char dans le village là. A crié, a demandé renfort. Personne ne va m'occuper. Parce que c'est ton plan pour te quitter au sacrifice dans le village là. Et qui s'est derrière plan ça tout, objectif là c'est qui s'allie. Marco Bacardi Mobagonel comme journaliste fouille à pote. L'objectif de Jovenel Moïse, il parle l'autre bagaille je dis là. C'est mettre police nationale là plat à terre. C'est rendre police nationale là défaillant net. Parce que monsieur quoi nous seul bagaille je dis là, dans force étrangère qui pour débarquer, si force étrangère débarquer dans pays là puis bon pour lui, c'est dans ça le quoi. Par rapport à tout crime financier, il fait tout crime de sang. Monsieur Fin croit que il gon seul porte de sortie. Donc c'est force internationale qui pour débarquer dans pays là. Donc qui pour venir prendre contrôle, ça veut dire mettre gouvernance pays là, retirer gouvernance pays là sous contrôle haïtien. La justice là pour lui en ben et puis pour pas jamais arriver sur lui avec ensemble de monde dans PHTK. Donc dans équipe là et qui gagne à ouais à la justice éventuellement. Que ce soit pour fond Petro-Caribé. Yo dilapidé. Que ce soit pour ensemble de massacres yo fait sous peuple là. Massacre La Saline, massacre Carrefour, massacre Bel Air et autres, etc. C'est ça qu'a réglé là. Donc, problème yo faut poser yo. Et pour bien poser yo, faut aller chercher comprendre yo. Même d'où Jovenel Moïse pas yon simple dictateur. Là Jovenel Moïse décide pour col, li font conseil électoral avec 9 moun ni. Et li ba émission pour faire d'abord référendum pour lui. Référendum constitution interdit. Hein? Avait dit pour capable faire voter, faire passer, mettre en application une constitution pour lui. Comme si ça lié là. Vous voulez dire que d'ailleurs François Duvalier pas même dictateur dans dimension Jovenel. Parce que François Duvalier pas dictateur bonheur comme ça non. Non, François Duvalier pas prend tout pouvoir ça bien vite mon cher. Bagay François Duvalier te prend 5 ans 6 ans pour le faire. Jovenel Moïse fait dans quelques mois, dans un an, ils sont nous là. Le Jovenel campé au Cap Haïtien, monsieur. Non seulement monsieur fin font conseil électoral pour quoi il met en place. Monsieur campé au Cap Haïtien, nous dit quelle que soit l'élection faite, là, il n'y a personne qui a gagné, c'est le Cap gagné. Vous comprenez ça? Monsieur vient joindre un système électoral là, qui existait déjà. Ça veut dire une base de données. Bien bonheur, monsieur Krasé, base de données. Dans le système électoral là. Il décide faut le faire propre système pal. Base de données pal. On y a besoin environ 2 millions de dollars pour te résoudre problème à l'époque, monsieur. On y fait une demande à gouvernement haïtien de 2 millions de dollars pour le résoudre problème ni, ça veut dire pour le rendre performant pour être en mesure de délivrer les cartes d'identification nationale qui a servi aux élections. Jovenel décidé l'a investi de préférence sous deux l'état haïtien 27 millions de dollars. Là il fait contrat avec compagnie Dermalog là à la fois pour faire corruption, faire l'argent et puis tout pour lui assurer que les gagne propre système électoral par lui ça c'est affaire par. C'est lui qui a programmé lui qui monde qui pour gagner élection là-dedans à qui monde qui pour pas gagner. Alors jodi a là les gagne de monde et qui apprend opposition à partir comme quoi opposition paie élection mais ça veut dire paie élection pas une question de paie élection là. Qui est-ce qui pour accepter par exemple et un criminel convoqué si val sous deux bras balancés par exemple ou même c'est dans la loi ou quoi dans l'article ou quoi dans le code pénal ou quoi dans le code civil. Et puis un criminel qui convoqué avec un galil dans main ou pas gagner dans main il rentre dans chambre ensemble avec vous et puis on va rentrer dans chambre avec lui avec galil là. Écoutez mais là on est tout sou pas informé ou pas informé. D'ailleurs y a un avantage nous gagner avec Jovenel comment peuple a dit ça vulgairement. C'est que l'estomac monsieur glissé. Il pas kakembe parole. Tout complot le construit contre l'a dit tout.
dans le public là. Pour ça, nous disons merci. nous disons merci parce qu'il ne va pas cacher nous rien. Monsieur son apprenti ou bien monsieur est un dictateur, oui. Parce que moi, je dis que les dictatures ne sont pas réunies, les dictatures ne sont pas parler. Et je dis à moi, il y a une manifestation, je dis à mais nous allons faire conférence, débat, sous lit, et nous sortons en pile fois, nous faisons manifestation, mais nous faisons émission à voilà, et dans la radio à là, ou après, exprimer des accords. Plaisiment. Donc, je connais. Plaisiment, et... nous sommes au mois de mars 2021. Oui. Et ça fait Jovenel. Environ 4 ans au pouvoir et théoriquement mais plus de 5 ans au pouvoir constitutionnellement. Jovenel Pataka plus que yon apprenti dictateur. Mais si Jovenel pa yon grand dictateur, c'est pas faute li. Non pas bal côté pour le passé pour le gétant grand dictateur que le ta vle ya. Il pas capable. OK. Mais ce n'est pas faute de Jovenel. Jovenel fait tout ça capable pour le tas déjà un dictateur qui dépassait François Duvalier. Bon, si on est bien courage, monsieur. Mais il n'y a pas de dictature Duvalier, il n'y a pas de longtemps. Il n'y a pas de loi, parler, non? C'est de dictature. Ça, je suis content de ya. Attendez. Sortez content de ya. Moi, je t'explique. Où dis-je? Pour Duvalier, était construit, il était prend pile temps. Et tant pis, souple, il n'y a pas de courage, Jovenel. Non, parce que Duvalier, tout le monde qui a reproché, il était construit en milice pour le gagner le pouvoir. Mais ils font institution. Qui est VSN. Mais Jovenel Moïse lui-même. Ça me fait là, lui-même. Jovenel Moïse, tellement agressif dans la construction dictature, il n'est pas qu'à prendre temps, il n'est pas qu'à compter ni sur la police. Bon, il finit instrumentaliser la police là. Il finit politiser avec deux derniers directeurs généraux AI. Que le météo, Léon Charles Sidenia, les films politisés, et au témoin Marco, pendant plus de 2 ans, mais où est toute misère que la police nationale a fait peuple a passé, avec coup de bâton, combien ils ont tué, et avec gaz lacrymogène. Pas les peuple là manifester contre Jovenel, c'est parce que l'instrumentalisé. Même la police a fait syndicat, oui, dans la période dictature. N'a privé là, n'a privé là. Jovenel pas qu'à attendre, il pas qu'à contenter de ça seulement. Ou elle a le recourir au gang. Non seulement le construit gang, mais tout ça le pas construit autour, le chercher, tout ça qui est arrivé pour naissance à la base de problèmes sociaux, le chercher le récupérer jusqu'à ce que le fédérer pour le gérer le pouvoir. Et ça pas suffi pour lui encore. Il prend contrôle kidnapping pour gérer le pouvoir. Et bon, au bras le dit. Ça m'a dit la m'bagonel. Oh, m'bagadou ça, mon cher. Ça m'a dit la m'bagonel ou bien m'bagadou et dit ça. Parce que, c'est pas un monde qui compte le président dans le kidnapping, mais m'a répondu rapidement pour me dire que si OPL est au pouvoir, si OPL te gagne la présidence, nan mel, si OPL te gagne gouvernance pays, nan mel, ou même comme journaliste, ou tape témoin que. Quel que soit cas kidnapping qui fait première fois, ça veut dire appareil l'État mobilisé pour contrer, pour craser, pour éliminer et empêcher n'importe l'autre cas pour tuer encore dans le pays. Et moun kidnapper aussi, yo tap identifié yo, tap joigné yo, tap poursuivi yo en justice pour payer pour ça. Par question de mon Dieu, ou pas attendre ça. Monsieur et chef gang yo dou quel que soit opération la police gagne à préparer pour aller faire contre yo avant opération yo gagne toute information par les national relé yo pour dire parler ou dire ça ou pas attendre ça ou pas attendre iso pas attendre monsieur non bon iso est devenu sur radio yo fait voice yo pas attendre dit la pluie. Dan, voilà, dit parler à même dire ça. C'est ça ou dit. OK. Yo dit moun n'a parlé relé yo dit yo mais ça préparé, mais ça pour vous faire, mais ça pour vous faire. OK. C'est-à-dire gestion gang yo kidnapping non, c'est n'a pas le fait.
c'est pas nous deal. Daniel, information dehors au public mes amis. Daniel signal. Bon, moi même, essayer vos questions ça en fait, puisque m'a goûté en pile pour que moi institutionnel et pour moi était comme ça puisque moi quoi dans institution pays. C'est ça OPL quoi. Tout à fait. Et je pense que si je me trompe, moi d'accord avec que le Palais National c'est une institution. Et c'est le siège du pouvoir exécutif. Oui, certainement. C'est ça que nous dit symboliser, ça symbolise le Palais National. Donc symbolise. C'est pas n'importe quelle institution. Tout à fait, voilà. Maintenant, est-ce que et moi attendez ça dit à tout. Moi attendez. Est-ce que par le simple fait que yon moun n'a pas les national tout dépend de ça gagne intérêt, ça gagne comme intérêt parce que ça arrive ou pas contre tout le monde. Et qui n'a pas les national qui bail une information si certainement information si ça ils bon, ou mettre même dit le conditionnel qui t'a bail une information qui t'a bail une information pas un problème si ça ils ont dit à nous t'a quoi là 100%. Est-ce que ça fait que le Palais National lui-même il a kidnappé? Je te réponds rapidement. Allez dans la déclaration Joseph Jout. Joseph Jout était non conférence de presse monsieur, téléphone ni sonné. Il dit pas la ISO. Téléphone ni sonné. Il dit ISO, t'allais m'appeler l'eau, l'aime finir. Ou pas là? Ah non, ça m'a pas de ça. Jout n'a kidnappé. Et Joseph. Comment non? Et moi demande oui. Monsieur là mais écoutez, Joseph Jout prouvant que lui c'est chef kidnapping, c'est un chef kidnapping. Oh, bon, mais quel est le rôle du premier ministre qui est le président du CSPN? Monsieur, ne pas le réfléchir sur ça, ne pas le garder qui attribution au premier ministre gagné dans tête gouvernement un pays qui ça où est Joseph Jout fait contre kidnapping? Non, ça gage à incompétence li. Est-ce que ça pas gage toi à incompétence li? Bon, m'kwen monsieur ça te font déclaration, il te dit lui-même. Depuis le pas qu'a fait un bagaille. Il parait là-dedans. Et pas vrai? Oui, nous pas songer le temps de un bagaille comme ça. Bon, si l'incompétence ça l'a fait toujours, ça l'a fait là toujours. Non mais regarde, il doit aimer pouvoir. Ça c'est un. Ça c'est un. On est même jamais. Pour ce qui a trait au Palais National. Nous très attachés à pouvoir. Oui, pour ce qui a trait au Palais National. Mais dis-moi non, le président de la République c'est premier chef sécurité pays, oui, monsieur. Qui ça nous senti Jovenel Moïse fait contre insécurité en Haïti? Dis-moi, yon. Et puis, si vous voulez, nous t'apprenons à aller au moins 10 pour vous, comme Zach l'y posait pour le kembe insécurité en Haïti. Bon, nous kek. Je préfère bon nous kek, puisque voilà. Bon kek. Bon, c'est pas pays, ou bon kek. Où est décret à Nian? Son décret pour garantir l'insécurité. Annie que le mettait en place là, c'est pour garantir l'insécurité et la corruption. Parce que avec Annie, non seulement gon paquet cob dans le budget national là, il était déjà happé gaspillé au nom de service intelligence qui pas existait, mais avec Annie, il vient permettre li connait là régulièrement pour débloquer gros somme l'argent sous prétexte qu'on a ni cap travail. Et avec Anian aussi, donc ça permet que vous gérez les éléments les plus dangereux pour le pays et les plus importants pour eux au niveau des gangs. Ils ont intégré eux. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui. Et les informations sont en circulation. Je dis à la police nationale, là, infiltré un paquet d'éléments de gang en dedans. All Black là. Ou pas réfléchir sur lui déjà. Donc, ou pas. Honnêtement, non, parce que. Ou pas réfléchir sur le Black là. Honnêtement, non, sur les informations. Donc, non, je n'ai pas même d'informations pour me porter bas. Parce que, il y a un officier de police important. Je vous dis à la malheureusement, qui est en isolement. Mais, Karl-Henri Boucher, il révélait l'information. Et, l'ancien directeur général de la police nationale, le plus respectueux de l'histoire de la police nationale, Mario André Sol. Il fait des révélations sur All Black là aussi. Et, à l'émander organisation de droits humains, je dis à la, dans le rapport, il dit que, il y a un ensemble d'éléments des gangs que sous Léon Charles là, qui intégrait police nationale là. Donc,
yo al caché, yo caché yo en dedans police nationale là. Donc pour capable faire action pour pouvoir ce police qui entièrement politisé, pas me dire. L'ENAPE cherche degré de dictateur Jovenel Moïse. Pas de problème non comme journaliste pour nous faire ce travail pas non. Mais qui chef d'état responsable ou pensez qui a pu comporter Jean le comporter hein, face à la police nationale. Tout d'abord, ayant à la tête de la police nationale même un directeur général AI, c'est pour faire quoi? Nous comprenons ça? Jovenel Moïse nommé deux directeurs généraux déjà dans la tête police nationale là, AI, alors que t'es un parlement qui peut te ratifier, t'es un sénat qui peut te ratifier, yo. C'est pour faire quoi, d'après vous-même? Mais je dois t'appuyer. Non, c'est pour un contrôle politique. C'est pour un contrôle politique et les montrer clairement. Parce que deux directeurs généraux et qui t'est passé au parlement comme Mario Andresol, comme Michel-Ange Gédéon, donc il te montre que c'est le directeur général qui a le pouvoir, qui a l'autorité pour diriger, pour commander la police. C'est pas vrai? À partir du moment que li nomme yo AI, li fait yo de esclave. Et c'est ça, Nomil Ramote Baoula, et c'est ça, Léon Charles Baoula tout aussi. Il est uniquement au service de Jovenel Moïse, mais pas au service de la République, pas au commandement de la police. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les actes de Jovenel dans la démarche, dans la construction de sa dictature, c'est pour allouer ensemble de plus de 48 à 50 décrets que l'y prend de janvier 2020 pour Yves Jodiala que le Gintan mettait en application. Majorité dans eux, c'est des décrets et qui entraînent en ligne droite construction dictature. Yon nan yo, c'est décret qui est formé commission pour capable pour nouvelle constitution là. Yon nan yo, c'est arrêté qui mette conseil électoral et unilatéral lié sous pied. Yon l'autre, c'est décret qui formé ANIAN. L'autre encore, c'est décret qui modifiait les prérogatives de la Cour supérieure de du contentieux administratif qui baille régime nan plein pouvoir pour capable d'équisser l'agent l'état agent le pour le faire s'appeler. Et ce c'est pas joué. Donc moi me rappeler nous encore pour Duval était dictateur en tant que dictateur là, c'est pas dans première année de faire il était consul, c'est pas dans deuxième année non plus, c'était petit à petit. Et toute dictature qui est construite à travers le monde sont ensemble de mises en place qui construisent. Et Jovenel Moïse déjà fait mise en place assez, dernier coup qu'il fait. Donc, pour asseoir la dictature là, c'est 7 février 2021. Les mandats finis, lui, décidé, rester accroché au pouvoir. Maintenant, si, quand il y a le programme, étant pris souple, groupe Moun qui est entré dans l'espace conseil électoral là depuis en septembre 2020, qui dit au conseil électoral. Mais on connaît que il a fait sortir avec une décision côté il a dit il a installé des moun et à titre de président Beck. Non, mais pas Beck. Non. C'est instance référendaire. Il a formé des espaces, des instances référendaires. Alors, pendant qu'il a dit, il a formé des instances référendaires là, qui sont bagailles totalement illégales et inconstitutionnelles, d'accord? Mais il a oublié, dit tout, ces précisions, ça que le directeur exécutif CEP a tadoué poté pour le public là. Est-ce que mon yo, groupe moun qui rentre dans l'espace CEPA depuis en septembre 2021, est-ce que yo suspendi yo ses conseillers électoraux yo et tout? Est-ce que yo pas conseiller électoral encore? Yo pas parler de bagaille comme ça encore? Parce que leur conseil électoral organe de concentré qu'on ka gagner pour quoi fait? Il n'y a pas gagné l'autre nom que bureau électoral départemental et bureau électoral national. Songez bien, oui, ça me dit, Namiko Saval.
Le conseil électoral a deux sortes d'organes déconcentrés. C'est le BED et le BEC. Bureau électoral départemental et bureau électoral communal. Maintenant, l'on dit que ou mettez en place un bagage qui relève instance référendaire. Cas de conformément. Conformément au décret. Maintenant, et où même ça y est on y a. Qui ça y est on y a. Donc ça veut dire faut ta dire au moins où son CEPA faut ta dire au moins c'est qui ça pour ta dire son conseil référendaire pour ta dire quoi. Oui, son CR, conseil référendaire, à la Jovenel. BCNR, conseil au national. Au moins, pas pour jouer à deux bras, pour dire désormais où son conseil référendaire à la Jovenel, mais pas parler de conseil électoral encore. Pas dire où CEP toujours. Pendant qu'on parle de organes déconcentrés, qu'on dit c'est instance référendaire, qui pas bête, qui pas bec. D'accord? Yeah. Alors, en attendant, nous arrivons sur nous, comme OPL, nous sommes sur les dalles. Oui, nous, comme OPL, en attendant, nous arrivons sur parce que nous arrivons sur tout bon juridiquement. Parce que dans la société, non, dans la société, il faut que nous apprenions à assumer la responsabilité de Zach Rosé. Par exemple, un citoyen, par exemple, bon, faut parler avec moun que yo installé dans un bagage les référendaires. Leur citoyen ou citoyenne pour arriver dans fonction ça cela sous-entend au bon niveau de formation au bon niveau de lecture bon coup sou qui te reprend ou al mettre non bagaille comme ça qu'on connaît qui illégal qui inconstitutionnel mais faut attendre que demain matin après des électoral li bon mission li dou pour faire élection pour li compte pays a yo accepter mission ça pour aller faire mais faut parer demain matin pour aller les conséquences pour répondre devant l'histoire d'accord c'est tout ça oui qui gagne dans société bon côté me d'accord ensemble avec nous parce que responsabilité elle pas qu'à tomber sous de Jovenel seulement parce que Jovenel déjà ça hier déjà. Donc, c'est-à-dire, et quelqu'un, et dans l'histoire Jovenel, donc son monde qui, depuis le petit racketeur. Oui, c'est depuis Jovenel, petit racketeur. Ok, il faut passer ça. Ah, ah. Depuis Jovenel, petit racketeur, c'est une raquette qui vit. Et c'est parce que le racketeur qui fait que monsieur était capable d'aller chercher un diplôme ingénieur pendant le bas ingénieur. Et métier, monsieur, c'est mécanicien. Ah bon? Jovenel pas jamais parler personne monde de métier lui comme mécanicien étant pris souple pour monde qui connaît monsieur son bon mécanicien. Oui. Jovenel son bon mécanicien pour tout monde qui connaît lui. Ça veut dire qu'il a dépanné une machine facile par rapport à quel que soit panne que le gagne. Mais pourtant c'est diplôme ingénieur là le chercher. Pendant ce temps pas de l'école de génie on joue. Moi maintenant de l'a dit que Jovenel va un dictateur simple, ça veut dire un dictateur complexe. Donc maintenant moi c'est ça que il pas simple, ça veut dire il osé mon cher. Si monsieur ca osé dans niveau ça. On est chef. Bon, OK, on est chef d'état monsieur. Pour la société li avec gang. Bon. Pour la société li avec moun cap fait tout action délictueuse dans le pays. Ça se dit. Notamment le kidnapping. Ça se dit, m'a essayé de garder. Ou font
approche historique pour montrer que, en fait, un processus pour les Duvaliers était instauré, notamment Duvalier père, était instauré la dictature, il n'est pas fait ni dans la première année, ni dans la dernière année, alors que bon, c'est pas gardé, du jour au lendemain. Soit gardé, en fait, configuration ensemble de actes, dans l'intervalle que Jovenel prend tout, président Jovenel prend poser tout acte à eux, pour ça veut dire, mais c'est dans le mandat. Donc, Sur le plan de politique internationale, sur le plan diplomatique, ça c'est le plus grand défi que Jovenel a à relever. S'il est capable de faire référendum néan, s'il est capable de faire élection truquée, que le vle pour reproduire tête au pouvoir en 2021, s'il est capable de faire. Non, il n'a pas qu'à faire. Et au maître, ouais, bon, c'est vrai, il a beaucoup de mercenaires internationaux derrière lui, mais Jovenel pas foutu gagner un support international. Qui pour faire élection. Qui pour permettre lui accomplir ça. Atteindre rêve ça, objectif ça. Il n'est pas capable. Parce que l'international a des obligations à respecter, auxquelles à se soumettre. Par exemple, nous, au niveau de l'OPL, nous sommes en mesure de questionner et les États-Unis, et les Nations Unies, et l'OEA, et l'Union Européenne, le corps groupe, pour nous dire. C'est quoi la démocratie pour vous? Ah oui, c'est quoi la démocratie pour vous? Pour dire que pour accepter au campé d'ailleurs ou supporter, yon nèg qui te gon mandat fini, monsieur décide de l'abriter au pouvoir et puis pour décider ou supporter le contre nous-mêmes, contre le reste du pays. C'est quoi la démocratie? Bon, Daniel, pour dire que monsieur décide, constitution nous dit, établi, mécanisme déjà que le capable modifier, monsieur décidé la passer outre de mécanisme constitution, la faire constitution pour coller, sans pas tenir compte de personne monde, sans aucun accord, pour dire que vous campé d'elle ou supporter. Mais c'est quoi la démocratie pour vous, États-Unis, Nations Unies, l'OEA, Union Européenne, corps groupe, c'est quoi la démocratie pour vous, ambassade américaine? Ou dire que, ouais, comment, constitution nous dit que, yon conseil électoral, que la permanent ou bien la provisoire, gagnent ensemble de institutions, ok, qui pour participer dans la formation, c'est-à-dire en termes de délégation de monde qui digne de société et qui pour balayer une mission pour la faire élection, monsieur décide de faire conseil électoral pour qu'on li baye mission par li qui est en dehors de la constitution pour dire moi camper derrière pour faire élection avec elle. Mais c'est quoi la démocratie pour vous? En tout cas, Daniel, on finit Daniel, parce que Golo Sola qui est très abondant. Merci. On finit avec l'activité en très peu. Oui, l'activité de demain. Voilà. L'activité de demain. Ok, 2 minutes. Merci. Deux minutes pour merci. Ça. Yeah. OPL invité jeunesse haïtienne. Les étudiants en particulier, qu'ils soient étudiants de l'université d'État, étudiants de l'université privée, élèves l'école qui dans le cycle secondaire, et tout le monde qui dans la politique, tout le monde qui dans la société civile là. Qui croit que la dictature n'est pas un bon régime pour le pays d'Haïti, et qui comprennent que ça nous a subi déjà en bas dictature du Valier, lui-même n'est pas profitable pour le pays, et je dis pas qu'il n'y a aucune raison pour nous accepter, pour nous tourner dans la dictature encore. Demain, vini dans le local OPL là, dans numéro 46, chemin des Dalles, c'est dans Carrefour Tifoua. Ok? Vini participer dans la journée conférence débat ça, projection film. Vini by présence nous participer dans le gros débat pour nous enrichir l'activité là, qui c'est une activité de mobilisation contre la dictature, contre le pouvoir autoritaire, contre les crimes organisés manifestés, je dis à la
par les actions des gangs et le kidnapping contre insécurité généralement et Maptouti. Activité OPL demain 26 mars là, c'est une activité de mobilisation qui s'en sert sur activité de lancement de la grande mobilisation de la marche 28, 29 et 30 mars. Côté et population abgain pour descendre dans la rue et nous espérons abgain entre 3 à 4 millions de monde dans la rue.